sacrée coupe de vainqueur. Je me suis attaché les cheveux parce qu'ils me saoulaient, voilà. Et là, non, ils sont pas gras parce qu'à chaque fois, on me dit qu'ils sont gras. Et en fait, non, c'est juste que, comment dire, le bout de mes cheveux est tellement... Bon, là, avec la luminosité, vous voyez rien. Est tellement clair qu'on a l'impression que ici c'est gras parce que c'est plus foncé. Et en fait, c'est juste que mes racines... Voilà. Bon, après, mes cheveux graissent très vite. Je ne dirai contre ça, surtout après le sport. Mais bref. Du coup, hier soir, on a un petit peu sorti, mais franchement, pas tard parce que mon copain bossait ce matin. Je suis un peu restée au lit. Je fais un peu la flemmarde. Il est 9h10 et il fait un temps vraiment pourri. Franchement, j'hésite à aller à la salle. Je vous jure que ce temps-là, mais j'ai tellement pas envie de sortir. Et vu que c'est séance abdo, en fait, je peux la faire à la maison. Donc voilà quoi. C'est pas comme si je loupais une séance genre bras à la maison. Il y a des exercices hein, pour les faire à la maison. Mais disons que je peux pas soulever autant de poids que si j'étais à la salle. Alors que abdos, il y a un exercice que je fais parfois avec du poids. Mais en moyen de faire d'autres exos quoi. Mais je vais vous montrer, mais c'est déprimant ce temps, hein, vraiment. En plus, je me dis que les deux derniers jours, je me suis posée dehors au soleil. Et là, regardez-moi encore ces flaques d'eau et tout, la terrasse toute trempée. Déprimant. Mais bon, faut bien arroser les arbres, on va dire ça comme ça. Et du coup, là j'avais... Mon copain n'a pas rangé son petit déj. Hein. Parce que c'est vrai que des fois il laisse genre confiture et tout. Parce que normalement j'en prends, mais là j'ai envie de tester. Est-ce qu'il a pris une banane? Je crois qu'il en reste qu'une. Ouais c'est ça. Il a pris l'autre banane. Donc là il en reste une qui a pas trop une belle tête, hein, voyez-vous. Et j'ai bien envie de tester de me faire un bowl cake, voilà. Ce matin j'ai envie de changer. Et en fait c'est assez rapide à faire et ça demande pas énormément d'ingrédients. Et je pense que ça cale bien. Enfin, moi j'ai jamais fait de bowl cake, j'ai fait que des mug cakes, mais bon c'est un peu le même principe. Donc voilà, je vais essayer de trouver une recette avec la banane et souvent c'est avec des flocons d'avoine. J'avais regardé une vidéo d'une fille hier qui en montrait, mais elle mettait de la levure et on n'a pas de levure. Mais bon, il y a peut-être moyen de trouver sans levure. Franchement, dans toutes les recettes que je vois de la levure du coup. Du coup, je sais pas trop. Parce que moi, je sais quand je fais des mug cakes au chocolat, je mets pas de levure et ils gonflent quand même. Donc, je sais pas trop. Bon bah voilà pour mon petit déj, ça m'a l'air plutôt bon. Les gars, je suis calée de fou là. On peut plus. Bref, je vous ai parlé à bouche pleine. Là du coup il va être 10h, je vais monter... je sais plus si j'ai un ou deux vlogs que je peux monter. Bon les gars, j'ai fait du coup un montage de vlog et là j'ai essayé de faire des abdos, je sens encore que ça me compresse l'estomac. Et j'ai tellement pas la foi en fait. J'ai envie de faire du sport. Mais je voudrais faire hop et je suis à la salle et en tenue en fait. Voilà. Parce que je me dis que j'ai encore pas mal de choses à faire. Bon, au pire, la salle est ouverte stable. Donc je sais pas jusqu'à quelle heure elle est ouverte le samedi. Je crois que c'est 19h, je sais plus. Enfin bref. Je me dis que voilà. Je vais toujours y aller plus tard. Dans l'après-midi par exemple. Parce que là, je me sens... Ouais, non, jusqu'à 18h aujourd'hui. Donc ça va encore, il n'est pas 18h, voilà. Parce que le samedi, elle ferme plus tôt. Alors que la semaine, c'est 21h, voilà. Et ma salle n'est pas ouverte beaucoup par rapport aux autres salles qui ouvrent parfois, genre à 6h ou quoi. Mais de toute façon, je vais changer en mai. Je crois que je l'avais déjà dit plein de fois, mais... Voilà, voilà. Je crois que je vais me faire un masque sur la face. Parce que c'est petit bouton chelou. Et je me demande si c'est pas. Je sais plus quand en cours. J'étais un peu fatiguée. Je me suis couchée sur ma veste. Sur la manche de ma veste. Et je sais pas si vous savez, mais les manches de veste, c'est un peu les trucs qui touchent tout. Et du coup, il y a plein de microbes dessus. Donc peut-être que ça va filer des boutons. Même il y en a un sur le front. Et puis j'ai dormi un peu sur le front. Donc c'est peut-être ça, voilà. Je pense, parce que c'est pas des boutons acné ou quoi, ça se voit. Je le sais parce que j'en avais beaucoup avant et voilà. Enfin bref, j'ai jamais eu un très gros acné, mais
Voilà, bref, je parle de... Je commence par parler d'horaire de salle et je finis par parler d'acné. Tout va bien. Voilà, la salle où je veux aller la même que mon copain. Bon, pour l'instant, mon copain, il y va pas trop encore. Il sait pas trop quand y aller. Faut qu'il prenne un rythme, qu'il se bouge les fesses. Et voilà, donc la salle où il est, elle est moins chère. C'est parce qu'il n'y a pas de piscine, sauna, hammam, jacuzzi, tout ça comme dans ma salle. Mais bon, pour le peu de fois que je suis allée, franchement, payer 50€ par mois, voilà. Et donc la salle où je vais aller, où il est, elle est ouverte du lundi au dimanche de 6h à 23h. Comment vous dire que ça, c'est génial. Tu peux y aller le matin avant d'aller en cours, avant d'aller bosser ou quoi. Tu peux y aller tard le soir si tu finis tard. C'est juste génial, voilà. Parce que ma salle, 9h-21h, quand tu bosses beaucoup ou quoi, c'est un peu restreint comme horaire. Elle n'est pas ouverte le dimanche. Voilà, c'est pour ça que le dimanche, je vais jamais à la salle parce qu'elle n'est pas ouverte. Fiouf ! Je vous jure que ce temps, c'est déprimant. Ça donne tellement envie de rester sur son canapé, vraiment de rien faire, mais rien. Mais bon. J'ai des trucs à faire. Et mon papa m'a envoyé un message pour me dire qu'il y avait des colis qui m'attendaient à la maison et que oui, il y avait un avis de passage et qu'il allait le chercher et que c'était ma carte grise. Enfin, c'est pas trop tôt. Parce qu'en plus, l'autre coup, quand on est sorti, je sais plus quand c'était quand qu'on est sorti, bref, en boîte et que comment et qu'il m'avait demandé de souffler tout ça, il m'avait demandé juste mon permis, heureusement, parce que. Enfin bon, après c'était pas de ma faute s'il était plus valable. Mais je sais même plus si à ce moment-là il était plus valable. Mais je crois que je l'avais même pas pris en fait. Parce que je pense jamais. J'avais juste pris mon permis parce que ça sert de carte comme une carte d'identité pour entrer dans la boîte. Parce qu'il la demande à tout le monde en fait avant de rentrer. Voilà. Parce qu'il y en a des boîtes, c'est juste genre ils voient à ta tête quoi. Et puis là, la boîte, c'est vraiment ils demandent à tout le monde. Voilà. Et apparemment, il y a plein de gens qui se sont fait arrêter parce qu'ils avaient bu. Alors qu'ils savent très bien qu'en sortant de cette boîte, il y a des contrôles tout le temps, mais non. Soit t'es le SAM complètement, soit tu... Voilà, soit tu sais pas, tu dors dans ta voiture, tu prends un taxi, j'en sais rien. Enfin bref. Je suis vraiment très très déprimée de ce temps. Je crois que je vais vous le répéter 50 fois dans ce vlog, mais il faisait tellement beau, genre on se disait ouais, c'est le printemps et tout. De toute façon, c'est le printemps bientôt, hein. Je crois que c'est dans 2 jours ou quoi. Il me semble. Bon. Si vous entendez du bruit, c'est parce que je regarde le vlog de Mila Baby Shoop, puis ils font je sais pas quoi là avec un instrument. Et je vais débarrasser mon petit déj et surtout mettre de l'eau dans cette assiette parce que si vous laissez du chocolat comme ça durcir pour faire la vaisselle, c'est pas top. Hein. Hi. J'ai mis un masque, le Coco Glow, je crois, de Hello Body. Par contre j'ai pas retrouvé, j'avais un pinceau Glam Glow en fait que j'utilisais tout le temps pour mettre mes masques mais j'ai pas trouvé et en fait il faudrait vraiment que je fasse un rangement parce que j'ai encore plein de trucs de maquillage un peu partout, enfin de produits et tout surtout dans des cartons en fait mais c'est souvent des produits que j'utilise pas mais je pense qu'il y a aussi d'autres trucs parce qu'il y a des trucs que je ne retrouve plus, genre j'ai pas tous mes masques et tout, enfin bref voilà, donc j'hésite à comme je vous l'avais dit me racheter un meuble pour être sûre de pouvoir tout ranger. Je sais pas, j'hésite. Faut que je mesure aussi voir si un deuxième rentrerait. Mais si un deuxième rentrerait, la panière à linge là, elle serait un peu décalée. Voilà, même là aussi, il y a des trucs là-dedans. Tout au fond dans le carton, il y a encore des produits de maquillage. Il y a une glossy box avec encore des produits dedans. Enfin bref. Je sais pas pourquoi mon meuble a été déplacé. Ah, il y a un truc qui est tombé dans le trou. Voilà, j'ai failli m'approcher du mur. Avec mon masque, je risque de le tâcher. Voilà. Tellement de choses à faire. Faudrait que je prenne des photos pour les habits vintage, mais. Trop de choses et pas assez de temps. Je crois qu'il y a eu un petit peu de vent parce que tout a été fou. Oui, là il y a les emballages, je les avais laissés dehors pour qu'ils sèchent parce qu'ils étaient un peu mouillés. Bah du coup, bah voilà. Et je viens de voir que mon tapis s'appelle Boris. Voilà, c'est un Ikea. Donc voilà, Boris. Puis il fait toujours aussi moche. Hein. Et là il pleut encore, vous voyez. Les flaques dans l'herbe, c'est génial. Oui, j'ai toujours mon masque, voilà. Là, il est sec. Je vais le garder, mon copain, la dernière fois, il m'a dit « Oh, tu pourrais mettre un masque devant moi ?» Ça le fait rire, voilà. Je vais lui faire peur. Et ça veut dire que on a emménagé le 31 janvier, que j'avais pas fait de masque depuis le 31 janvier. Voilà. J'ai pas trop fait des trucs de fifou pour ma peau. En vrai, je faisais quasiment rien. Et puis, elle se portait bien, écoutez. Donc, bon. Voilà. Donc là... Elle se portait un peu moins bien. Il y avait des petits boutons là, comme je vous ai dit. Bref, je suis en train
essayer d'accrocher ma caméra sur mon petit trépied. Voilà, je vais aller faire la vaisselle. Mon copain va pas tarder à rentrer. Voilà, comme ça, c'est fait. Je suis prise d'un élan de motivation. Et voilà. Parce que comme je vous l'ai déjà dit, souvent ce qu'on fait avec mon copain, c'est qu'il y en a un qui fait la vaisselle et l'autre qui fait à manger. Comme ça, chacun fait un truc. Je suis dégoûtée. Voilà, c'est pour ça que vous avez une vue très moche de moi. Non, en fait, Kylie, elle avait fait une promo hier. Et à partir de 25$, vous avez un gloss offert. Puis plus vous augmentez dans les prix, plus vous avez par exemple de gloss ou de rouge à lèvres métal offert. Et c'était que pour la Saint-Patrick, voilà. Et moi, j'ai vu ça que maintenant. Voilà, je suis dégoûtée. Surtout qu'elle avait sorti des nouveaux... les Velvet, là, j'avais trop envie de tester. Bah, du coup, je ne l'ai pas commandé, voilà. Je suis très, très, très triste. Du coup, je commanderai pas. Voilà, c'est décidé. Parce que je voulais pas commander pour beaucoup. Et bah du coup, après, là, si je commande que les Velvet, payer la livraison juste pour ça, voilà. Surtout que j'ai pas vraiment de sous en ce moment. Mais s'il y avait cette promo, j'aurais commandé. Mais là, voilà, c'est pas un besoin d'avoir des rouges à lèvres en plus. Donc, tant pis. Je vous parlais des salles de sport ce matin, je viens de voir que la salle où je voudrais aller, Liberty Gym, ils vont en ouverture. Ils vont en ouvrir une nouvelle en ville, au centre-ville. Et maintenant il va y avoir pas mal de salles au centre-ville parce qu'il y en a une autre qui va ouvrir au passage Pasteur pour ceux qui connaissent normalement. Basic Fit au passage Pasteur et donc Liberty Gym à la place de l'ancien Campo Novo pour ceux qui connaissent. Ben, sont pareils si vous connaissez pas. Ça vous dira rien ce que je vous dis. J'ai les joues rouges. Je crois que j'ai un peu chaud. Voilà, c'est tout. Je viens de voir ça. Par contre, je sais pas du tout quand est-ce que ça va ouvrir, mais ça peut être cool parce que ça voudrait dire que ce serait une salle. Je pourrais peut-être y aller à pied. Voilà. Voilà, voilà, c'est tout pour le moment. Et puis Liberty Gym, il y a aussi une salle qui est pas loin de mon école. Donc c'est plutôt pratique, voilà, parce que j'ai pas envie d'aller genre Château Farine, Valentin, des trucs comme ça. C'est pour avoir des bouchons pour aller à la salle de sport, franchement. Ça me dit pas trop. Et à 14h là j'aurais pu aller, j'avais une espèce de cocktail dans une boutique. Sauf que franchement j'ai pas du tout le temps d'y aller, ni la motive, ni me préparer, me maquiller. Du coup là je vais continuer mes fiches et je vais mettre un petit truc en fond je crois. Où est la télécommande de la télé? Ah. Je crois que je vais mettre un replay, ça fait super longtemps que j'ai pas mis de replay. Puis vu que on a les trucs avec la télé, autant utiliser ça. Ah, je sais plus qui c'est qui a parlé d'un truc en replay qui avait l'air bien. Je sais plus ce que c'est. Sinon, je vous tiens avec avec mon espèce de perche. Du coup, vous êtes plus loin. Je pense que c'est mieux. Mais j'avoue que des fois, j'ai un peu la flemme de l'utiliser. Enfin, de... Parce qu'en fait, pour enlever ma carte SD, il faut que je dévisse tout ça. Du coup, c'est pas très très pratique des fois. Mais là, comme j'ai fait mes deux montages, mes vlogs sont préparés. Je suis complètement à jour. Voilà, j'essaie de mettre à jour le plus possible. Pourquoi ça s'allume pas ce truc? C'est bon, je viens de retrouver ce que je voulais regarder. Je savais que c'était sur M6. Alors, attendez, parce que je vois pas très très bien. J'ai pas mis mes lunettes. Pour savoir celui de quelle date. C'est celui du 14 mars à 21h. C'est pas trop incognito en fait. Voilà. Et ma salle de sport où je suis, eh ben, elle est déjà passée dans... Je crois que c'était dans pas trop incognito, il me semble. Je sais plus si c'est pas trop incognito ou... si, il me semble. Enfin bref. Bon, j'ai terminé mes fiches. Donc là, ce serait bien... Je sais pas trop ce que je fais en fait. Alors, il est 16h30. Je pense que je vais prendre un petit goûter. Enfin, genre, j'ai envie d'un kiwi. En plus, on en a pas mal. Je vais prendre ça. Ensuite, je pense que je vais faire ma séance abdo. Ensuite, faut que je me douche. Et en fait, mon copain... acheter à un de ses potes qui revient de je ne sais où, j'ai plus de quoi, je me souviens plus de tout. Enfin, bref, il a acheté un Mondor. J'ai l'impression que ça bouge là. Il y a un truc qui est mal. Je sais pas si vous voyez, enfin bref. Ça bouge un peu. Oui, bref, du coup, il a acheté un Mondor. Et du coup, on a déjà les pommes de terre, mais il voulait que j'achète des trucs pour mettre avec, genre un peu comme la charcuterie, tout ça. Donc, je vais voir et j'aimerais bien retourner acheter des bananes parce que franchement, c'était bien cool ce que je me suis fait en petit déj ce matin.
Et pour mettre dessus ou même à l'intérieur, on peut mettre par exemple des petits copeaux de noix de coco, etc. Donc je pense passer à la Biocoop. Mais je suis pas sûre qu'à la Biocoop ils fassent la charcuterie et tout en fait. Parce que j'ai vu qu'il y avait un peu de viande, mais je suis pas sûre qu'il y ait genre jambon cru tout ça. Donc du coup voilà, il faudra que j'aille guetter ça. Bon, j'avais fait ma séance de sport, oui j'ai gratté, c'est pas bien. Je sais, je l'avoue. J'ai mis ma brassière, elle me dit j'ai vraiment encore testé. Donc voilà, j'ai dit à mon copain, t'es sûr que tu veux de la charcuterie, parce que vu le temps qu'il fait, pour y aller à pied, c'est un peu mort et j'ai vraiment vraiment pas envie de ressortir en voiture, voilà. Enfin j'ai pas envie de reprendre la voiture juste pour deux bouts de charcuterie quoi. J'irai lundi sûrement faire quelques petites courses, enfin des petits trucs. Voilà, sinon du coup là je voulais ranger un petit peu, je vais ranger mon goûter, tout ça. Ranger la vaisselle de ce midi qui est sèche, parce que oui on m'a demandé, tu laisses sécher, bah oui. Pourquoi je vais m'embêter à tout essuyer alors que je peux laisser tout sécher. C'est beaucoup plus simple, voilà. Et j'allais dire autre chose, j'allais dire, oui, je voulais passer l'aspirateur, voilà. C'est ça que je voulais faire. Donc voilà, je vais ranger un petit peu et puis passer l'aspirateur. Bon, j'ai passé l'aspirateur, je suis allée vider les poubelles, c'est pour ça que j'ai ce gilet, voilà, parce que j'ai dû sortir dehors. Il pleut toujours encore, franchement, déprimant quoi. J'ai fait le lavabo, le miroir aussi, donc je pourrais ranger tout ce qu'il y avait sur le lavabo. Franchement, ma coupe, ça ne va plus. Je repasse mon chignon, il est complètement parti en cacahuète, voilà. Je viens de mettre les patates à chauffer, voilà. Qu'est-ce que j'allais dire, bah, je vais aller me doucher. Elles m'ont chauffé tranquillement la dernière fois, ça a mis hyper longtemps, donc c'est pour ça que là il est 18h30 et que je les mets maintenant. Mon copain rentre dans en gros une heure on va dire, donc comme ça elles ont le temps de chauffer tranquillement. Il va falloir que je range mes affaires de cours qui traînent un petit peu sur le canapé aussi, mais là c'est parti prendre une bonne petite douche. Je vais fermer les volets parce que bon, ça fait nuit, puis pas bien chaud dehors. Bon voilà, je suis douchée. À la base j'avais prévu de répondre aux lettres aujourd'hui, finalement j'ai pas trop eu le temps. Donc les petites patates sont en train de cuire sagement. Ça fait du coup presque une demi-heure. Et du coup voilà, là c'est pas mal rangé, sauf les cartons des chaises. Normalement mon copain s'en occupe ce soir. Je sais pas s'il va monter les deux ce soir, mais au moins une serait bien. Parce que du coup pour l'instant on a que les deux chaises qui sont là, les autres chaises qu'on a vraiment c'était dépliables donc on les a enlevées. Et j'ai déjà fait la vaisselle tout à l'heure donc je vous avoue que j'ai pas trop la foi. Même si franchement il n'y a pas grand chose. Mais là j'ai plutôt envie de me poser, j'ai un peu mal au dos en fait. Je pense qu'aussi faire mes fiches, à chaque fois que je révise de toute façon j'ai mal au dos. J'ai l'impression que ça demande de, je sais pas, de forcer sur le dos, enfin je sais pas pourquoi. Si elle se concentre ou quoi qui fait ça. Je ne sais pas, il n'y a pas trop de vidéos qui sont sorties. J'ai vu qu'il y avait une nouvelle vidéo de Squeezie, je suis trop contente. Mais les vidéos genre Squeezie, Thibaut InShape et tout, j'essaie d'attendre mon copain pour les regarder, voilà. C'est des vidéos qu'on aime bien les deux, donc autant les regarder ensemble. J'ai mis un nouveau pantalon que j'ai pris chez Undies, pareil pour le haut. Enfin le haut est un peu dentelle décolleté en fait, voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc je pense que je vais me joindre du coup à la DS, j'ai envie de joindre du coup à Animal Crossing en fait tout simplement. C'est tout, voilà ce que j'ai envie de faire. Donc je vais voir ce que je me mets à la télé en même temps. Parce qu'il n'y a pas trop de vidéos qui sont sorties aujourd'hui. Donc voilà, sinon je me retrouverai un petit replay ou un petit truc. Hein. De toute façon, je me fais pas de soucis pour ça. Il y a plein de choses à regarder sur internet. Donc je pense que je vais vous laisser maintenant parce que là si je joue un petit coup, regarde la télé, ça va pas se passer grand chose. Après mon copain va arriver, on va manger puis voilà quoi. Je suis quand même assez fatiguée, on s'est couché tard hier soir. Donc franchement si je pouvais limite dormir maintenant, moi ça me va. Bref, en tout cas sur ce je vous laisse, je vous fais de gros bisous. Je vlog pas demain, on est dimanche, mais vous aurez quand même un vlog demain, donc à demain. C'est Coralie.